pouvez me sentir un tout petit peu. Amen, amen. Et alors, comme je connais le pasteur, vous savez, je ne sais pas pourquoi c'est mon oncle en vérité. Quand je suis ici, je ne regarde pas la famille, je regarde l'ouest de Dieu. Amen. Et Dieu m'en est témoin que c'est véridique. Alors, c'est normal que je vienne en tant que chrétien, en tant que serviteur, exilé, et se soumettant, demandant un accord. Et quisiera que los hermanos puedan entonar esta alabanza. Todos tus hijos te adoran. Amen. Et quisiera que el pueblo, je voudrais que le peuple, tous tes enfants t'adorent. Et je ne sais pas chanter. Et si j'aurais su chanter, Seigneur Jésus, je ne sais pas chanter, mais je voudrais qu'on puisse rentrer dans cet esprit de prière. Nous allons rentrer dans cet esprit de prière. Et je voudrais te demander, s'il te plaît, Lise, ne te regarde pas, je vais rien t'apporter. Je te le dis avec tout mon amour et un certain respect. Je vais te demander s'il te plaît qu'on puisse fermer nos yeux. La présence de Dieu se trouve au milieu de nous ce matin. Deux ou trois réunis d'un commun accord et d'un même esprit, je me trouve au milieu de vous. Ce matin, nous sommes plus que deux ou trois. Et ce matin, je voudrais que tu puisses présenter ta vie à Dieu. Nous avons tous besoin de notre Seigneur. Et ce matin, si nous sommes venus ici, c'est pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Ce matin, nous allons lui rendre culte honorable à notre Dieu. Ce matin, nous allons l'adorer. Ce matin, nous allons le glorifier. Ce matin, nous allons l'exalter. Alléluia. Oui, alléluia. Que puisse aussi nous rendre. Nous rentrons dans la prière. Nous rentrons dans la prière. Ce merveilleux cantique, il est merveilleux. Tous tes enfants t'adorent. Je le dis souvent quand j'étais au Canet. Quand un pasteur il doit prêcher, il doit vivre sa prédication. Quand un chrétien il prie, il doit vivre sa prière. Quand l'église chante, nous devons vivre la prière, la chanson. Et ce matin, nous allons chanter tous tes enfants t'adorent. Et nous allons vivre ce cantique au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, bénis ce matin ton peuple, on a besoin de toi. Les enfants t'adorent au pas. Te adoraré, te adoraré, te adoraré.
A Dieu soit toute la gloire, Église. Gloire au Seigneur. Qu'il est bon de pouvoir louer, de pouvoir chanter, de rentrer dans cette atmosphère, de pouvoir recevoir les caresses du Saint-Esprit, de pouvoir rentrer dans cette communion intime avec le Père. Aïe, que bueno Dieu. Ce matin, je ne vais pas être long. Vous me connaissez. La plupart me connaissent. Je ne suis pas quelqu'un qui a des grands messages. Je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans la profondeur de... Non, je suis quelqu'un de très simple. Amen. Et je donne comme Dieu me donne, ni plus ni moins. Mais ce matin, ça fait une semaine que je savais déjà que je devais être ici. Je ne savais pas quel jour je devais prêcher. Et j'étais en train déjà de me préparer. Seigneur, quel est le mot pour ton église? Quelle est la parole que tu veux, Seigneur, leur dire? Parler de Dieu, on peut tous parler de Dieu, mais parler de sa part. Si l'homme ne recherche pas sa face, si on ne plie pas les genoux devant l'Éternel, si on ne recherche pas sa majesté et à vivre une vie continuellement, malgré les problèmes, malgré ce qu'il y a. Vous savez, le vent souffle, mais la voix de Dieu se fait entendre. Il peut y avoir des tumultes, il peut y avoir... Et des grands bruits, des grands tonnerres. Mais la voix de Dieu se fait entendre dans nos cœurs. Dieu nous laisse sourds au bruit de ce monde pour qu'on puisse écouter sa voix. Amen. Et ce matin, je viens avec ce petit message venant de la part de Dieu. Pour tous ceux qui sont la parole de Dieu, je vais vous inviter avec moi à faire une petite lecture. Cela se trouve dans le livre de 2 Pierre. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, nous allons prendre le verset 4. La parole de Dieu va dire, par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Afin, écoutez bien, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu nous fait participants de sa nature. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 4. Dieu nous fait participants de sa nature divine. Mais pour comprendre ce verset-là, alors nous allons prendre dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, et dans le verset 30. La Bible va dire, je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche, devant moi, en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je ne le trouve pas. Dieu cherche un homme, Dieu cherche quelqu'un qui se maintienne devant lui, en faveur du pays, en faveur d'un peuple. Dieu cherche un homme, il n'en trouve pas. Dieu cherche quelqu'un, il n'en trouve pas l'homme. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je n'arrive pas à comprendre. De Pierre et Ézéchiel, Dieu nous fait participants de sa nature divine. Et dans ce que Dieu cherche, Dieu cherchait tout simplement un paraclétos. Dieu cherchait tout simplement un intercesseur. Le mot paraclétos vient du verbe paraclé qui veut dire intercesseur, veut dire plaideur, veut dire défendeur, veut dire avocat, veut dire intercesseur. Dieu cherchait un paraclétos. Dieu cherchait un intercesseur. Il cherchait quelqu'un qui se mettait devant lui pour intercéder pour un peuple. Mais aucun homme ne pouvait se présenter devant Dieu. Aucun homme ne pouvait être devant l'Éternel, car la Bible nous déclare, tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Mais il y avait quelque chose. Non, c'est si il y en a et toi. Mais il y avait quelque chose. Ce quelque chose, c'était qu'une prophétie devait être accomplie. C'était que Jésus devait venir. Le premier paraclétos, le premier intercesseur. Garde ce passage et on le maintient au Saint-Esprit. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tout le monde se... Hey, monsieur. Amen. Le passage du paraclétos, le mot paraclétos, on l'attribue au Saint-Esprit. Car aujourd'hui, le Saint-Esprit, il intercède par nous, pour nous, par des soupirs inexprimables.
Église, comme toi, tu n'en peux plus et tu ne sais même pas pourquoi ton corps est... Il y a des soupirs, tu ne sais même pas pourquoi ce soupir, c'est le soupir qui l'exprime. Je vous le dis comme je l'ai reçu. Mais le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour toi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui ne te délaisse pas. Amen. Le premier paracletos, ce n'était pas le Saint-Esprit. Le premier paracletos, ça a été Jésus. Et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Pourquoi c'est Jésus qui est venu sur la terre. C'est lui qui a commencé à ouvrir le chemin. C'est lui qui s'est donné à la croix. C'est lui qui nous a fait le, et je pourrais dire, ce pont entre le Père et l'humanité. Ça a été Jésus. C'est lui qui a pris la main du Père et c'est lui qui a pris la main de l'humanité à travers la croix et qui nous a réconciliés à travers son sang. Le premier intercesseur, ça a été Jésus-Christ. Mais ensuite, il arrive le second intercesseur, pardon, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui marche avec nous, c'est lui qui nous reprend, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous pousse à aller d'avant. Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis Dieu nous fait participants de sa gloire, de sa nature divine. Il y a un troisième paracletos, cette église. C'est toi. Pourquoi Dieu nous fait participants de sa nature? Vous allez comprendre. J'ai bien dit que le mot paracletos voulait dire intercesseur, voulait dire plaideur, voulait dire défenseur, avocat. Ce sont ces attributs que Dieu a donnés à l'Église. Quand il y a des malades, l'Église, elle intercède. Amen. Et tu deviens le moyen de paracletos, l'intercesseur. Et les malades sont guéris. Amen. Ce matin, vous avez écouté le témoignage de la sœur. Vous avez prié pour elle. Le Seigneur, amen, il te fait devenir un avocat quand ton frère et ta soeur est mal. Regarde le privilège que tu as, Église. Quand il y a des frères et des soeurs qui se sont accusés, le Saint-Esprit te donne des paroles. Amen. Pour que tu ailles tout simplement, non seulement consoler, car le mot paracletos veut dire consolateur aussi. Non seulement tu vas venir consoler, tu vas venir plaider, tu vas intercéder, mais tu vas être cet avocat. Le Seigneur va se servir de toi pour être cet avocat. Pour plaider la cause de ton frère, la cause de ta soeur. Mais j'étais en train de dire, tu n'es pas. J'ai dit un homme, mais un homme, une femme, c'est pareil. Le chrétien, la chrétienne, s'ils ne se mettent pas devant Dieu malgré les épreuves, si on ne continue pas à garder le cap malgré ce qu'il y a, on ne peut pas écouter la voix du Saint-Esprit. Et on ne peut pas devenir cet intercesseur. On ne peut pas rentrer et à devenir ce paracletos. Et voilà qu'aujourd'hui, Dieu a besoin des paracletos. Dieu a besoin des intercesseurs plus qu'hier. Nous arrivons des temps beaucoup plus difficiles. Nous arrivons des moments, Seigneur, à des, où il va venir encore beaucoup plus de montagnes pour soulever. Mais Église, ne craignez pas car je suis avec vous. Amen. Non, il va dire, non, non, Jésus, lui-même, il va dire, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais ne craignez pas car j'ai vaincu le monde. Amen. Vous savez, je suis pas long ce matin. Le Seigneur, tout simplement, Robert, il te fait confiance. Voilà le mot que Dieu voudrait te dire ce matin. Mon Église, tu as toute mon affection, tu as toute ma confiance. C'est les mêmes mots que Jésus a pu dire, que le Père a pu dire de Jésus. Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma confiance. Ce matin, Église, comme Dieu te voit, quand Dieu le Père te voit, ben, tout simplement, tu sais ce qu'il peut dire. Voici mon Église, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma confiance. Le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur te fait confiance, le Seigneur veut agir avec toi, le Seigneur il marche avec toi, il ne te délaisse pas, ne te dis pas malgré ou là où tu es en train de passer, je ne vois pas ta main, Seigneur je n'entends pas ta voix, Seigneur je me sens délaissé de toi, non, il est tous les jours constamment avec toi, c'est ses promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, ne te décourage pas ce matin. Ne te décourage pas au nom de Jésus. Mais au contraire, on ne doit pas baisser les armes. On doit plier genoux. Ce n'est pas les armes qu'on doit baisser, non, non. C'est on doit plier nos genoux. Amen. Même devant l'adversaire. Voilà, donc qu'est-ce que tu dis? Devant l'adversaire, je dois plier genoux. C'est parce que c'est quand je suis devant l'adversaire que je commence à acclamer le Seigneur. Amen.
Un chrétien debout. Un soldat debout, c'est un chrétien à genoux. En vérité, je vous le dis, mes frères et sœurs. Et le Seigneur a besoin de toi. Peut-être, autant je me tremble ce matin. Mais peut-être il y aurait quelqu'un qui se dit, je suis tout petit dans le Seigneur. Et ma prière, peut-être, elle n'est pas assez entendue comme, aïe, le pasteur, il dit, aïe, la femme du pasteur, ou les candidats, ou le frère, il est un serviteur de Dieu, Dieu comme sa compagne. Ou... Dieu ne regarde pas les postes. Ce n'est pas pourquoi il y a le pasteur et les musiciens ici et là. Dieu ne va pas, ne nous classe pas sur les postes. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Alors ta petite prière, elle est valorisée devant les yeux de Dieu. Dieu, il attend ton intercession. Dieu, il attend ta faveur. Dieu, il attend tes cris. Le Seigneur est avec moi. Malgré les problèmes, Seigneur, c'est vrai, la difficulté, elle est là. Mais Dieu est avec toi dans ta difficulté. Amen. C'est lui qui t'aide à marcher. C'est lui qui t'aide à surmonter la difficulté. J'ai quatre mots dans mon cœur ce matin, et j'en ai pas quatre et demi, ni cinq, non. C'est ces quatre mots que j'avais dans mon cœur. Église, le Seigneur, il t'a appelé. Le premier intercesseur, ça a été Jésus. Ensuite, le consolateur est là, mais il compte sur toi. Il compte avec toi, avec chacun d'entre nous. On prie tous ensemble, Seigneur.